Salut, salut, bienvenue dans l'atelier. On est là en direct pour, comme prévu, attaquer le confédéré, le fichier confédéré. Donc je vais vous montrer ça, je vais te montrer ça. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça fonctionne. Le chat, il est actif, a priori. Vous pouvez déposer un petit coucou pour voir que si tout est opérationnel, le son, l'image et puis le bipède qui sera votre hôte pendant un petit moment. On va essayer de faire 1 heure. Salut! Salut Storm, comment ça va? Je vais basculer sur la figurine, le buste. Je crois que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Voilà, donc là on est sur le buste. Oh, je vais me mettre droit, j'ai mal au dos. Journée difficile, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai attaqué un petit peu, j'ai déjà attaqué le buste. Salut ma soeur, bienvenue. Je suis claqué, sacrée journée, mais je suis avec vous dans l'atelier, franchement ça me fait du bien aujourd'hui. Donc tout est ok, on voit bien le buste. Faites bon app ma soeur. Bon appétit. Est-ce qu'on voit bien le buste? Voilà, je peux le déplacer, je peux le voir comme ça. Tout est ok, on voit bien. On m'entend bien. Alors, comment on peut le regarder sur les images qui sont devant là? Donc, ouais, super, merci du retour. Donc, j'ai attaqué une partie du montage. Donc, au live, quand on a découvert ensemble ce buste de chez Mitch Military Model, on avait quand même constaté que au niveau des pièces, il y avait passablement de travail à faire et passablement de défauts. Donc j'ai déjà attaqué une partie. Et puis comme tout projet, j'essaye de travailler pour voir si je peux, dans un premier temps, faire des pièces séparées, puis après les monter. Franchement, là, déjà, on peut le voir. Hein, je vais prendre ma lame. On peut le voir. Qu'il y avait passablement de défauts d'écart. Pourtant, j'ai vraiment travaillé avec l'outil de précision pour bien poncer les pièces, mais il y avait passablement de défauts. Plus le bras, il était, si je me souviens bien, il était cassé en fait. La pièce était cassée. Donc j'ai dû mastiquer vraiment de manière importante la pièce. L'autre côté aussi, on le voit. Tous les joints, là, j'ai dû vraiment faire un effort assez important. Je pense que c'est l'une des pièces où j'ai dû faire un effort aussi important que ça, là autour. Voilà. On va faire améliorer un petit peu le zoom. Voilà. Et décaler. Voilà. Et puis, pencher un petit peu la pièce. Voilà, là, je pense qu'on va bien. Donc, passablement de joints à réaliser déjà autour des bras. Ce qui fait que clairement je ne pouvais pas travailler de manière distincte au niveau des bras et les fixer par la suite. C'était vraiment, franchement, c'était pas un avantage de devoir le faire. Il y aurait eu trop de travail par la suite et j'aurais abîmé franchement la peinture. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi qu'il y avait, on le voit sur l'avant de la casquette, donc la visière. Également la même chose, j'ai dû faire un travail sur le joint pour fixer au mieux, voilà, là on le voit mieux, fixer au mieux l'avant de la casquette. Et puis l'autre opération assez délicate au niveau de la tête, donc même si elle s'intègre bien à l'intérieur du buste, au niveau du cou ici. Malgré tout, il y a eu des travaux à réaliser. Avec, on le voit plutôt sur le côté, voilà, sur le côté ici, joint. Je crois que derrière, un tout petit peu, voilà, on voit bien le poutis, hein, là derrière.
Voilà, pratiquement tout le tour. Voilà. Et puis après, donc ça c'est au niveau de la tête. Et puis après, au niveau de la pièce en elle-même, quelques petites choses à rattraper. Au niveau du col ici. Bon, bien sûr, j'ai parlé de l'avant de la casquette. Et je crois que globalement, c'est tout. Ah non, un petit un trou aussi au niveau de la résine sur l'avant-bras là. On va faire le tour. Bien évidemment, j'ai dû bien nettoyer sur les bords. Je vais bien montrer à l'intérieur ici de la veste, sur le pli. J'ai dû bien nettoyer, bien gratter là aussi. Et je crois que c'est tout au niveau de la pièce. Bien évidemment, comme il y avait sur les coudes aussi des morceaux à enlever. Ah oui! Important également, j'oubliais. Ça me revient à la mémoire de poisson. Vraiment, Dory, désolé. Oui, la casquette. Donc, sur la casquette, là, on voit bien. Hein. Voilà, ici, là, il y avait un morceau à supprimer. Mais, d'ailleurs, là, c'est pas génial. J'avoue que c'est pas génial au niveau du pli. On va faire un petit zoom. Hein. Je pense que c'est mieux. On va s'approcher. Voilà. Ok. Donc au niveau ici, là, il faut que je fasse un tout petit peu mieux. Mais en gros, là, toute cette partie-là, non seulement il a fallu enlever un résidu, mais en plus refaire. Là, on le voit un petit peu, hein, pour un peu blanc là. Refaire la ligne de couture. Donc bien regraver le bord ici, regraver ici, et puis là. C'est pas encore topissime là. C'est pas topissime là. Alors voilà, je pinaille, mais sincèrement, quand on regarde comme ça, c'est pas terroche. C'est pas terrible au niveau de l'arrière de la casquette. Donc vraiment reprendre. Donc passablement de job à réaliser. Et j'arrivais pas à trouver, on va dire, un découpage de la pièce en elle-même pour la faire par pièce avant de fixer. Donc, pour moi, à ce stade, je pense que c'était le minimum à mettre ensemble et de travailler sur la pièce telle quelle. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de travailler sur. Ben, il faut nettoyer. Il faut reponcer toute cette partie-là. Enlever le surplus, retravailler, regraver dans le cou là. Et puis surtout, quand on voit les manches, donc là, il va falloir bien poncer autour de l'épaule. Et surtout, à mon avis, refaire une ligne de gravure ici pour bien mentionner, ben, comme la couture de la veste, c'est-à-dire le haut de la manche et puis l'épaule en elle-même. Donc laisser comme ça va pas le faire. Ou bien revenir dessiner. Ici et de l'autre côté, ici le bord. Je sais pas si la mienne est là en fait. Non, je crois pas qu'elle est là. Elle est faite d'un bloc, mais pas ce type de veste là. Il faut vraiment faire la couture. Et puis d'ailleurs, on voit hein, ici, il y a la couture qui monte au niveau de la pièce là. Voilà sur la manche. Et bien évidemment, après, là, il y a la couture sur le bord de la manche. Donc voilà, si c'est un peu compliqué, franchement, c'est pas donné à tout le monde et on va voir le résultat. Donc, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Donc là, je peux présenter le matos avec ce que j'ai préparé sur ma palette et je vous affiche en même temps la palette. Donc, j'ai principalement utilisé dans ce cadre-là du putitamia. Donc c'est bicomposant à mélanger. Je le travaille avec de l'eau. Donc les doigts, les mains bien humides sur une surface humide. Et sincèrement, ça se travaille pas trop mal avec de l'eau. Donc bien humidifier les mains. Et puis après, quand je le pose sur la figurine, sur les pièces, à l'endroit, avec les doigts humides, bien humides, sinon on voit les traces de doigts, les empreintes, on voit les empreintes. Donc bien travailler pour bien lisser un maximum la pièce, même si après on la reponce. Mais bon,
bien travaillé, bien lissé. Donc avec le doigt humide et la surface humide, on arrive à le faire. Donc principalement là, par rapport à ce qu'on voit avec du Tamiya époxy. Après, pour... Ah bah tu vois, je ne l'ai pas préparé. Je vais le sortir. Donc après, pour les petites choses. Donc que ce soit ici un petit trou, le bord ici de la casquette, donc la visière, là il y avait un petit défaut, bon bref, les petits points de détail comme ça, deux éléments qu'on peut utiliser, je vais présenter ce que j'utilise, mais il faut que je me déplace, j'ai complètement oublié de le préparer, mais je vais te le montrer. Voilà, donc pour ça je vais le déposer. En vue, on voit bien, j'espère qu'on voit bien sur la deuxième caméra. Donc, premièrement, soit du green putty de chez c'est cheeky. Green Stuff, ouais, Green Stuff World. Donc, voilà, donc soit du green putty comme ça, c'est assez bien parce que ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il y a un petit bec. Voilà, donc on peut travailler avec précision le putty, donc toujours enlever la première partie, puis après, on peut travailler avec précision le putty. Donc soit celui-là, ce que j'ai pas utilisé vraiment sur cette partie-là du les différentes parties du buste. Là, j'aime bien utiliser ça. Donc, c'est aussi un putty de chez Valero 100% acrylique. Voilà. Donc ça se présente sur une petite pâte blanche hein. Ouais, voilà, bref, c'est du putty. Comment je l'utilise? Je le pose sur une petite plaque en plastique comme ça, un morceau de un radio de maquette, et après je le travaille avec un cure-dent, avec une petite un petit outillage très fin, et puis après je le lisse comme pour le green stuff, celui-là, je le lisse avec un pinceau humidifié et je peux lisser la pièce en humidifiant plus ou moins le putty. Donc moi j'aime beaucoup celui-là là. J'aime beaucoup celui-là de chez Valero, il se travaille bien. Mais au final, avec un petit peu d'habitude, le green stuff, j'arrive exactement à la même chose, seulement que son application à l'aide du petit bec est plus pratique. Est plus aisée, plus pratique que directement travailler avec ça que je dois déposer avant sur une petite plaque. Voilà, je vais pousser. Je sais pas si déjà là, il y a quelque chose, des interrogations, des questions sur, sur l'utilisation de putty ou de bicomposants, ou il y a quelque chose que j'aurais zappé pour expliquer le fonctionnement et l'utilisation de ces quelques produits-là que perso j'utilise. Pas de questions? Alors si jamais ça revient, hein, il ne faut pas hésiter à me les poser. Je vais les décaler. Donc là, franchement, le taf, ça va être de préparer la pièce, de poncer. Alors je reste toujours avec la cam sur mon outillage. Donc mon outillage, quelques limes, plates, arrondies, demi-arrondies, comme ça. Complètement arrondies, voilà, ça peut être pratique. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, bien évidemment, merci Stan. La lame X-Ato pour gratter, surtout avec la pointe pour les gratter ou quand on doit redessiner, regraver certaines pièces. Je crois que dans différents tutos, je l'avais déjà mentionné. Donc, avant de présenter les petits bâtonnets là. Des éponges abrasives. Donc moi j'ai ça, c'est vraiment bien, c'est chez Tamiya. Donc là j'ai deux granularités différentes, assez gros, c'est du 320. Voilà. Et puis après ça c'est du assez fin, c'est du 1500. Alors pourquoi j'aime bien? Parce que déjà c'est une mousse. Voilà. Donc pour travailler, si je montre mon doigt là, pour travailler je vais le montrer sur la figurine, comme ça on peut le voir. Voilà. Salut, salut Fabien, bienvenue.
Donc pour travailler, quand c'est cette mousse-là, c'est assez sympa parce que justement, on peut la... Bah, c'est de la mousse, donc on peut facilement y mettre le doigt dedans, travailler, et puis en appuyant, bah, ça applique automatiquement la forme. Donc ce type de mousse-là, moi j'aime beaucoup de chez Tamiya. Donc des éponges abrasives. Et puis, donc ça, je vais utiliser ça tout de suite. Alors bien évidemment, ça peut toujours être utile. Récupérer à madame ou aux frangines ou à la maman des limes à ongles. Hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Toujours utile, plus ou moins de la granularité différente, mais pour brosser les pièces, ou voilà, c'est toujours utile d'avoir. Donc à piquer. Et puis le dernier point, c'est ces petits bâtonnets-là. J'en ai déjà parlé dans je crois, dans un tuto. Que j'utilisais ça. Bah en fait c'est quoi? Bah tout simple, hein. Ça c'est At Home, made SZ Miniature. Donc pas de copyright, allez-y, faites la même chose, c'est très utile. Donc un bâtonnet tout simple, puis à l'éponge en fait, la petite éponge, prends une petite portion, simplement collée à le bâtonnet avec de la cyano, hein. Voilà, on va le montrer ici, simplement collé avec de la cyano. C'est cool parce que c'est petit et pour travailler, super pratique. Voilà, ça j'utilise beaucoup, je vais rester dans le cadre, ça j'utilise beaucoup de cette manière-là, plutôt que de faire comme ça. Voilà, petit bâtonnet, éponge collée et on y va. Voilà, donc a priori... Je dis bien a priori, je devrais m'en sortir pour travailler sur cette pièce qui est devant vous. Je devrais m'en sortir avec les éponges. Je pense pas que je vais avoir besoin des limes. Je vois pas trop où je vais pouvoir gratouiller pour le moment. Hein, je dis bien pour le moment. Mais je pense que je vais pouvoir commencer en tout cas avec les éponges, voire mes deux bâtonnets, et puis surtout d'aller gratter à certains endroits avec la lime X-Ato. Donc, ce que je vais faire, je vais décaler. Voilà. Et puis, pour laisser le champ de vision complet. Bonjour, bonjour. Scale Modeler. Bonjour, bonjour. Pour laisser passablement de place, je vais passer uniquement à la partie de la pièce. Et on va commencer. Mais avant de commencer, je suis sûr que vous êtes tous posé la question. Je pars dans l'hypothèse que vous êtes posé la question. C'est quoi ce socle où il a posé son buste? C'est trop bien son truc. Il a les deux mains libres. Je vais reculer. Hop. Voilà, là on voit mieux. Peut-être que je vais laisser comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, on voit un peu les outils, puis de toute façon on voit les zones. Mais c'est quoi ce truc? C'est costaud, c'est solide, ça a du poids. J'ai mes deux mains libres. Donc pour peindre, c'est trop bien. Voilà, pas d'appui, c'est cool. Je peux incliner. J'ai pas besoin de me tordre le cou, me tordre le dos pour travailler sur la pièce. Donc voilà, je peux la tourner, ça reste, c'est assez stable. Je peux y aller, hein. Je vais vous montrer. Je vais peut-être tenir le bas, mais la pièce, elle ne bouge pas. Alors, je fais mon malin, mais c'est pilote, hein. C'est un pilote. Je fais mon malin, mais c'est très pilote. J'ai fabriqué ça la semaine dernière. J'ai fait quelques tests, mais le live, c'est du test également en live pour de vrai. Ben, vous allez me dire, c'est quoi? Ça vous intéresse ce truc? Comment j'ai fait ça? Alors, je crois que j'avais cherché un petit peu sur le net. Et il existe des supports où on peut orienter la pièce un peu comme on va dire un appui de caméra. Et j'avais plus retrouvé ça. Enfin bref, puis je me suis dit, mais j'ai vraiment besoin de ça, comme ça j'ai mes mains libres, je peux vous incliner dans les tutos, surtout la pièce, comme ça, et puis je peux peindre avec mes deux mains, sans avoir une main en appui, et puis l'autre qui peint, et puis avec la tremblote. Donc c'est quoi? Ah, puis un autre truc, regardez. Alors je l'ai vraiment fixé. Hein. Vous avez vu? Pas mal, hein? Voilà, je peux l'approcher de ma tête
pour travailler. Donc même la hauteur, j'ai pas besoin de me baisser. Je... Ouais. Non, mais en fait, je vais vous donner les infos. Je suis là pour ça, c'est partager. J'ai cogité un moment et voilà. Mais je vais partager et puis après le commercialiser. Donc, comment j'ai fait? Alors, on va y aller. Ce qu'on va faire, c'est que la première chose, je vais le démonter, puis vous allez me dire, non, mais c'est super simple. Alors, je vais le démonter. J'enlève la pièce. Voilà. Déjà, on met de côté le buste. Voilà. Je vais y aller encore plus loin. Je crois que j'avais mis la roulette là. Voilà. J'ai dû serrer comme un malade. Ah, oh, Sandro, t'as serré comme un fou. Ouais, je voulais assurer le truc. Donc, je déroule. Voilà. Ça commence à vous parler ou pas du tout? Allez, ça commence à venir. En fait, ça, cette pièce-là, je l'avais achetée dans le cadre justement d'un support pour caméra ou appareil photo. Exact! Support caméra. C'est exactement ça. Bien joué. C'est effectivement, on voit la bulle, hein, un truc débile. C'est un support de caméra en fait. Mais il a l'avantage d'être vraiment. On peut serrer pour qu'il soit costaud. Donc, ouais, exactement. C'est un support caméra. Tout bête. J'essaie de retrouver puis de le mettre dans le lien de la vidéo où ce que j'avais trouvé ce truc quoi. Mais ah, ça c'est un support tout simple effectivement de caméra donc où j'ai mis assez fort le pli. Donc voilà. Ça très simple aussi. C'est pour un support ouais, qui je fais un peu de pub. Allez hop, j'aime voilà. Vous avez vu? Vous avez pas vu? Bah, c'est un support aussi pour téléphone. Voilà. Donc après, c'est trop bien parce que c'est à distance variable. Donc après, j'ai fixé ce truc-là. Je vais le refaire. Hein. J'ai tout pété. Je vais devoir recommencer. Alors, on fixe. Son nom, il n'est pas prêt. Bref. Je vais fixer à ma manière. Il y a une roulette. Hein. Je ne sais jamais l'utiliser dans quel sens il faut tourner. Bref, on met la roulette. On va serrer. Voilà, à fond. Tac. Ok. Voilà. Et puis on a notre support. Le reste, c'est quoi? On décale. Le reste, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est du bois. Hein. Pour la dimension, la largeur du support ici. Un peu plus grand, comme ça, ça permet de l'étendre et de le fixer. Une vis. Et l'avantage, c'est que ben, quand je perce mon buste, après. Je le visse et puis ça bouge pas. Voilà. Attaque numéro 2. Je prends ma pièce. J'élargis comme un iPhone, comme un téléphone. Je fais de la pub. Et hop! On vient de sortir un appui. On vient de sortir un appui pour travailler sur nos pièces. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout parce que tu peux effectivement, comme tu le dis, tu peux l'orienter. Donc, je peux travailler comme ça. Donc, sans déplacer cette partie-là, elle est suffisamment lourde. Vraiment, elle est lourde. Hein. C'est donc, voilà, vous entendez le bruit? C'est pas un truc léger. C'est vraiment. Et puis surtout pour moi, pour vous, quand je vous ferai les tutos, ben voilà, on a un bon axe pour peindre de près. Et puis surtout, sans se casser le dos, dire ok, je m'approche ma pièce. Et puis on le voit peut-être. Je vais basculer en mode on me voit moi. Que ma face. Voilà, je vais juste basculer ça. Donc vous voyez, j'arrive à faire un truc qui est quand même passablement en hauteur, quoi. Par rapport à mon travail, comme ça. Je vais mettre peut-être sur l'angle, voilà. C'est quand même pas mal, hein, plutôt que se péter le dos en avant, etc. Donc on arrive à avoir une figurine qui est suffisamment haute. Après, on peut monter, hein, on peut remettre un support, mais. D'entrée suffisamment haute avec une hauteur variable au moment où on travaille et surtout vraiment j'avais besoin d'avoir mes deux mains libres quoi. Voilà donc je vous mettrai quelques références, j'essaie de retrouver ça, mais à partir de maintenant en live et sur les prochains tutos, eh ben, avec ça j'espère vous fournir un maximum une bonne visibilité sur le travail réalisé à travers ce petit support. Moi je vais rebasculer sur la figurine. Voilà, donc
assez bien, puis on peut resserrer le cas échéant pour refixer plus fortement les axes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est principalement. Ah ouais. Ah, d'avoir des bustes en stock, mais toujours pas commencé, c'est clair. Extra. Donc, ben aujourd'hui, je vais attaquer un petit peu le ponçage de cette partie-là avec les éponges abrasives. Franchement, avec l'écart qu'il y a au départ, franchement, il y a. Je vais peut-être resumer. Voilà, vous donner un maximum de visibilité sur ce que je fais. Voilà. Me mettre dans l'axe au niveau du travail et puis retravailler la pièce. Alors, franchement, je crois que ça doit être vraiment la première sur laquelle j'ai autant à faire, quoi. Et je suis presque sûr, vraiment, hein, que je vais partir du principe à un moment donné que ce sera bon. Je vais appliquer le primer et que avec le primer, je verrai que ça joue pas encore et que je vais retravailler après primer dessus pour bien poncer. Là, je pense qu'il y a vraiment trop de taf. Donc, lancez-vous pas. Salut. Ouais, c'est ça. Donc, une main libre. Donc, boire un café ou une chope de mousseuse pour pouvoir avec l'autre main. Donc là, je vais plutôt le mettre à plat. Comme ça, j'ai un bon appui pour pouvoir travailler. Donc là, effectivement, ça bouge un peu, mais je pense que c'est juste ici. Mais c'est pas mal. Donc là, on voit, hein, vous avez vu, c'est quand même. Là, je suis avec du 3200 de chez Tamiya. Vous avez vu, ça part pas mal, hein. Il y a pas mal de. Ça suffit, ça gratte pas en profondeur. Genre. Pas trop de marques, ça reste souple, fin, avec une certaine finesse, mais il y a du, on voit qu'il y a à enlever quoi. Alors oui, vous pouvez vous poser la question, est-ce que tu vas vraiment te faire la totale à la main et pas utiliser l'outil de précision? Alors oui, je vais vraiment faire tout faire à la main parce que j'ai pas ce qu'il faut au niveau de mes différents accessoires, quelque chose de suffisamment fin pour pas abîmer franchement à ce stade-là la pièce en elle-même. J'ai hésité à me bricoler avec ça, de trouver un bâtonnet beaucoup plus fin pour pouvoir le glisser à l'intérieur de sur l'embout de mon outil de précision là que j'ai. J'ai pas encore fait, mais ça cogite pour me créer des outils plutôt que d'acheter quoi. Donc je pense que vous aussi, hein, avant d'acheter un truc, c'est toujours trouver une combine, quoi. Ouais, c'est juste, ouais, la main, c'est déjà un bon outil de précision. Puis après, voilà, de passer le doigt dessus pour sentir le truc et bien travailler dans les plis. Alors cette partie supérieure, elle me fait pas trop peur, j'avoue. Là, je suis en train de travailler, là. Pas trop peur. Où j'ai un peu des doutes, c'est vraiment d'aller retrouver une belle finesse ici ou de l'autre côté. Voilà, là on le voit, l'autre côté à l'intérieur là. Là, à l'intérieur. Là, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Ça va être une découverte. C'est fait aussi pour ça, hein. C'est en faisant les choses pour la première fois qu'on s'améliore et puis qu'on se plante et puis qu'on corrige et puis voilà. Comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Faut y aller, hein. Faut pas avoir peur, faut y aller. Pas si là vous avez des questions, quelque chose que vous vouliez voir en particulier. Je vais reculer un tout petit peu pour pas que vous soyez avec la tronche, la tête directement dans cet officier-là. Un autre point aussi que j'ai commencé à faire, donc par rapport à ce buste. Ça me permet aussi. Un jour, je voulais. Enfin, ça fait un petit moment, on va dire, que je l'ai dans les cartons. C'est la préparation d'un projet. Donc, un projet, ben voilà, c'est ce buste-là.
une figurine, enfin c'est la préparation. Et il y a une étape qui est assez importante, c'est que je réalise, et puis qu'un jour peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais le concrètement vous le montrer. Avant de démarrer, hormis le fait de choisir un buste, hein, je vous l'avais déjà dit, je crois que quand je choisis une pièce, voilà, j'ai un petit coup de cœur, une période, ou je cherche surtout une difficulté à tout réaliser, j'arrête. Oui! Oui, Fabien, oui, c'est tout collé là. C'est ce que je disais au départ, c'est que, il y avait trop de défauts qui devaient être corrigés, donc j'ai dû directement faire dessus pour corriger, puis je ne pouvais pas faire de manière séparée. Et puis sur le dessus, c'est quoi le mastic jaune? C'est le tamia. C'est du putty tamia, bicomposant, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Simplement ça. Ah ouais, il est dur, ouais. Ouais, c'est dur, clairement. Donc c'est du bicomposant, deux parties à mélanger, à travailler avec de l'eau, et puis après tu le places directement dessus et tu le travailles au doigt, humidifié, ou moi j'utilise beaucoup le cure-dent, humidifié, toujours avec la pointe humidifiée, le bois humidifié, et puis soit une lame, etc. Tu peux le travailler avec une partie humidifiée. Ouais, il a... Ah oui, il est dur, hein. Ça devient dur comme la résine, hein. C'est dur, hein. C'est clair. Un autre outil accessoire indispensable quand vous faites ça, voilà, nettoyer la pièce régulièrement. Et puis je ponce à la main ou je travaille à la main, mais n'oubliez pas quand vous faites... Avec un appareil, surtout quand j'ai travaillé sur chacune de ces pièces pour enlever les grosses parties, hein, et puis bien poncer chacune des pièces avec l'outillage, mettez un masque. Moi, je mets un masque, là, j'ai des masques 3M, voilà, un masque 3M, comme ça, tout simple, hein. Mais protégez-vous parce que ce soit. Là, La partie résiduelle, elle est très très fine, puis inhaler tout ça, sans être un expert, mais je pars du principe que ça n'a pas l'air d'être bon d'inhaler tout ça, quoi. Donc protégez-vous quand vous faites ce genre de travail. Là, on a la main, donc je vais pas trop le respirer, mais c'est très volatile, donc faites attention, quoi. Oui, Fabien, tu as commencé le buste du chevalier normand, hein. Bah, j'espère que les quelques vidéos que j'ai posées dessus, bah, t'aideront à faire ta pièce, et n'hésite pas à poser des questions, hein. Sérieux? Ouais, en plus, ouais. Donc la résine, ouais, cancérigène, ok. Ouais, donc protégez-vous, quoi. Vraiment. Alors, on va regarder juste. Alors, là, on voit. On va venir de près. Petit zoom. Toujours la qualité est bonne, hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, on voit gentiment à quelques endroits où. En plus, le fait que ce soit coloré. Donc, un peu jaune comme ça, ou blanc quand on est sur d'autres endroits, là, typiquement. Le putty que j'ai utilisé ici. Ouais, aucun problème, j'en suis convaincu que tu vas y arriver, Fabien, sur ta pièce. Et quoi qu'il en soit, quoi que tu réalises, tu auras fait un pas en avant dans la progression. N'oublie jamais oublier ça. Quoi qu'on fasse, on progresse. Clairement. Donc ce qui est bien aussi, c'est de voir, dès qu'on commence à voir apparaître... La résine en elle-même, c'est qu'on a bien un peu comme un carrossier. Hein. Si vous avez vu, regardez, hein, comment on bosse les carrossiers sur nos voitures, sauf si j'en shoote la pièce, mais voilà. Donc là, on est. Ouais, là, par exemple, je passe le doigt, je sens rien du tout en fait. Je sens pas le. Je sens absolument pas le mastic. Je le sens pas. Pour moi, ça a l'air d'être bon. Après, comme je l'ai dit, hein, ça c'est au toucher.
Et c'est quand on passera le primeur que vraiment on devrait rien voir. Donc si, n'hésitez pas à refaire. Restez au primeur. Poncez, restez au primeur. Avant de partir sur l'effet zénithal. On va toujours rester avec le gros pour travailler. Ah bah typiquement là, regardez. Là je dois bosser, je dois travailler. Je vais montrer avec ça. Et puis il faut que je mette dans le cadre, c'est mieux Sandro. Vraiment là, là il y a un pli là. Voilà. Franchement, là, je préfère travailler avec mon petit outil. Déjà c'est plus petit. Puis je peux venir travailler avec la partie extérieure pour venir dans le pli. Alors oui, ça c'est clair. On ponce, on croit que c'est bon, on passe le primeur, on retouche, parce qu'on ne devrait pas voir. On repasse du primeur, on retouche. Jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat attendu. Hein. Pas être pressé. Pas être pressé. Vraiment pas être pressé. Et toujours bien inspecter la pièce en fait. Vraiment. Et je vous dis ça, mais pour être franc avec vous, je suis arrivé avec des pièces. Ça m'est arrivé d'arriver avec des pièces à des expos concours. Et puis que les petits copains ou un des jurys, comme ça que je croise par hasard, il me dit mais vous avez vu la ligne là, elle a été oubliée d'être poncée quoi. Donc ouais. Il y a aussi le fait d'être tout le temps devant la pièce, il y a plein de choses qui nous échappent. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Hein. Et puis aussi un autre point, surtout dans la peinture, les photos. Je sais pas si vous faites ça. De faire un arrêt sur image, prenez des photos de votre pièce et puis de regarder les photos en fait, de vraiment regarder les photos. Le nombre de fois, je pense maintenant ça va un petit peu mieux, mais le nombre de fois où j'avais les yeux, franchement ils étaient pas alignés quoi. Pas alignés, un œil qui part en vrille, etc. etc. Donc allez-y, prenez des photos, partagez avec madame, les gamins, n'importe quoi. Juste le regard d'un quelqu'un d'autre. Après, il faut être prêt à la critique constructive, toujours. Mais partagez, dire ben, pourquoi, regarde l'œil, etc. Enfin, voilà, juste le regard de quelqu'un d'autre. Ça montre peut-être des oublis ou des mancos ou des erreurs commises, quoi. Partagez. Si vous avez la possibilité, autour de vous, partagez. Typiquement moi, voilà, j'ai beaucoup moins fait, et question de temps, enfin bref, j'ai un peu moins fait depuis quelques mois, mais il y a des gens extraordinaires sur le forum de la figurine, vraiment. Il y a de forts contributeurs, il y a du talent aussi, de passablement de monde, et toujours l'esprit constructif. J'ai eu passablement de remarques par rapport à des choses que j'avais réalisées qui m'ont toujours aidé. Donc n'hésitez pas à participer, quoi. A contrario, j'arrive pas, j'ai de la peine à écrire en fait, à décrire ce que je vois. Par contre, voilà, c'est de la manière d'écrire ce que je vois ou faire des commentaires. Voilà, il faut que j'apprenne aussi. Je suis plus fort de manière orale à échanger avec quelqu'un sur une pièce donnée que de regarder et puis d'écrire ce que je vois. Quoi. Voilà. Pour le moment, c'est pas encore mon truc. Il faut que j'apprenne. Mais ça m'est arrivé de travailler ou de collaborer avec certains d'entre vous, me dire qu'est-ce que t'en penses, et puis de trouver, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certains travaux.
Là, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, quand je passe la main comme ça, c'est super lisse. Parfait. Je sens rien du tout, en fait. Cette partie-là, je sens rien du tout. Aussi bien la partie de la résine que l'époxy que j'ai rajouté. Donc là, je pense que je suis pas mal. Comme je l'ai dit, il manquera après le travail de faire vraiment le bord de la couture là, de venir graver à l'intérieur. Mais peut-être que je me pose la question si je vais pas tout d'abord poncer propre pour pas qu'on voie les joints, passer au primeur, et après, s'il n'y a pas de défaut au primeur, si j'ai vraiment la partie ponçage qui est terminée, de venir compléter la partie gravure. Vous pensez quoi de la démarche? Ou la partager, que ce serait une bonne idée. Peut-être que ce que je vais faire, comme ça, à chaud, là, c'est ce que je me dis. Par contre, là, je suis sur du 1500, ouais, c'est un peu, ouais, il faut que j'attaque vraiment avec du plus gros au départ, quoi. Alors, je vais faire un petit peu en arrêt. Ah ouais, c'est clair. Vous avez vu actuellement le vote que j'ai déposé. Vous pouvez participer, hein, je vous encourage à aller participer. Allez-y, allez-y, allez-y. L'Iroquois, il a pris une sacrée avance. J'ai épluché un petit peu son contenu et un petit peu les pièces là, parce que franchement, pour que d'ici la fin du mois, les deux autres pièces remportent, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai pris le risque de regarder un petit peu l'Iroquois. Eh ben, il va y avoir du boulot, hein. Dans le genre, joint, ponçage, etc. Franchement, il va y avoir du taf. Je me plante toujours de mousse. Mais il va y avoir vraiment du boulot, quoi. Voilà, là ça me paraît pas mal, ça me paraît vraiment bien sur la pièce en elle-même, là c'est bon quoi. Franchement, c'est. Moi je sens rien du tout. Je sens vraiment rien entre la résine et la pièce en elle-même. Ouais, voilà. Là je vais le montrer, on va zoomer dessus là. Et me dire, mais t'es fou, Sandro. C'est clair, hein, un petit peu flou, pas trop de zoom. Voilà. Là, c'est pas génial. Faut que je fasse gaffe. Soit la couture arrivera pile poil à cet endroit-là. Soit il va falloir que je mastique encore l'écart ici. Pas top, mais à voir. Ça dépendra de la gravure que je vais faire ici. Entre la manche et l'épaule, donc les épaulettes quoi. Tac. Si ça arrive pile poil à cet endroit-là, picobello, ça suit la ligne de couture qu'elle a. Si ça arrive pas là, va falloir faire un petit peu un autre joint. Je vais pas faire tout de suite ça parce que vous montrez exactement la même chose que ça vaut pas vraiment la peine. Par contre, il y a un autre truc qu'il va falloir attaquer. Je vais reculer un petit peu. Ouais, je vais devoir graver, exactement. Donc, on va aller, tac, dans le cou. Et là, dans le cou, bah là, il n'y a pas le choix, hein. Je peux pas y aller avec ça. Je vais abîmer les gravures des cheveux. J'ai rien qui est assez fin pour pouvoir y aller. Donc là, franchement, pas le choix. On va y aller à la lame. Dans le cou, enlever des surplus. Et puis ce qui peut être la continuité des cheveux. Donc ça ne me choque pas trop particulièrement à certains endroits. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut y aller. Faut gratter quoi.
Même chose après, une fois que ce sera fait, ben, le passage du primeur, est-ce qu'on y verra quelque chose ou pas? Eh ben, on regrattera. Donc ça, c'est le principe. Je vais le tourner, voilà, je vais le tourner. Voilà. Je vais le mettre à plat, comme ça j'ai bien le truc. Ouais, tout à fait. Je peux effectivement bien jouer. Je peux effectivement graver. Et puis réutiliser du putty, effectivement le green stuff, comme ça, ou ce que je vous avais montré tout au début. Celui de Valero et puis recombler les endroits, retravailler dessus quoi. C'est juste, bien joué. Ouais. C'est beaucoup plus fin. Et puis justement, les deux que je vous ai montré au début, celui-là comme le green stuff, franchement c'est super sympa pour travailler après avec de l'eau. Donc on met un petit peu avec le pinceau l'endroit ou avec un cure-dent et puis après on peut le travailler avec de l'eau. Il devient plus. Bah, c'est de l'acrylique, donc il devient plus liquide. Et puis il se met bien aux endroits abîmés. Puis on répète l'opération. Donc là, ouais, donc là on y va. Hein. Vous avez vu, j'y vais à la lame. Et puis je viens en fait gratter le coup. Tac. Puis après. Voilà. Donc là, c'est à peu près clean. Et je viens sur le bord enlever les parties complémentaires. Enfin, le surplus, on va dire, complémentaire, non, le surplus. Tout à l'heure, je m'étais pas un petit peu arrêté. J'ai des limes métalliques pointues Tamiya. Ah, intéressant. Alors moi, j'ai pas trop pointu. J'ai ça. Pas si ça en fait ah ben voilà celle-là pour la pointe merci celle-là franchement ben voilà pour la pointe là l'arrondi ça peut être pas mal pour dégrossir voilà excellent voilà donc là je peux effectivement avec cette petite pointe là je peux aller sur le bord et puis après dans le sachet là j'en ai une qui est plate et un minimum arrondi. Et puis pour le bord du col, je peux venir faire le bord du col. Voilà. Donc ouais, il faut y aller, hein. Il faut y aller avec chacune des pièces qu'on a, des outils qu'on a, en faisant attention de ne pas abîmer. Ouais, là, regarde. Là, j'ai un petit peu gratté avec la pièce là. Ah, on va voir si ça se voit après. Le green stuff caoutchouc. C'est vrai? Le green stuff caoutchouteux? Ok. J'ai pas eu. Bon, peut-être que j'utilise par parcimonie hein, de petites pièces pour des petits endroits. J'ai pas ressenti ça. C'était pour faire. Ok. Ben voilà, donc là c'est aussi un bon exemple de tester en fait. Je vous montrerai dans un des tutos, je pense pour l'Iroquois. Quand vous avez. Alors ici c'est un mauvais exemple parce que là il y avait une partie de la pièce qui était cassée. Donc il a fallu combler. Mais comment faire l'exercice? Je vais reculer un petit peu. Je vais vous montrer un truc. Comment je peux faire ça? Oui, quand vous avez deux pièces, je vais prendre comme ça. Quand vous avez deux pièces, si je prends l'Iroquois, je sais que je vais devoir le faire. Il y a là le tronc d'arbre qui est en plusieurs morceaux. Donc à un moment donné, j'ai le tronc comme ça. Qui est incliné, plus ou moins incliné, et puis à un moment donné, il y a une branche qui doit être mise comme ça. Pouf. Voilà. Alors là, on ponce cette partie-là,
On ponce cette partie-là, et sincèrement, pour arriver, alors dans l'arbre là, l'occurrence, je pense pour arriver pile poil, que ça joue pile poil, nickel chrome, les deux faces, ça va être coton. Y a potentiellement un jeu en haut trop poncé, en bas, etc. Et en fait, moi, ce que je fais, vraiment, je mets passablement de putty sur cette partie-là. Et je mets passablement de putty sur cette partie-là. Vraiment, hein? À l'extérieur, j'y vais vraiment sans hésiter, quoi. J'en mets pas mal à l'extérieur et pas mal à l'extérieur là. À l'intérieur, 9 fois sur 10, je mets une petite tige métallique, quand même, pour qu'il y ait un renfort. Parce que des pièces collées comme ça, c'est pas génial. Donc un petit renfort avec une pièce métallique, une tige. De ce côté-là, c'est large le trou, comme ça au moins ça se rentre dedans, et puis je mets de la cyano. Et avec le putty, quand on place les deux, le surplus, il va s'éclaffer, sortir sur les côtés, directement, et puis après, directement avec un cure-dent, humidifié, tout de suite enlever aux alentours le surplus. Et vraiment, c'est super rapide, et puis les écarts de 1 mm, 2 mm, etc., etc. Bon, en fait, ça pose plus de problème parce que le putty s'est automatiquement mis dans les bonnes zones et puis on enlève le surplus. Voilà, donc ça, c'est un truc que quand on voit le tronc pour faire l'Iroquois, c'est vachement utile. Alors, tu as une marque préférée? Je vais juste pas, je vais prendre quelques instants pour pas rater les commentaires. Screen stuff, on a vu. On a vu. Ouais, c'est chaud. Ouais. Le white de chez Mr. Hobby, il est très solide et lisse. Je connais pas. Ok, je connais pas. J'irai voir. Ok, je connais pas du tout. Le white de chez Mr. Hobby, il est très solide et lisse. Ok, je connais pas. Il se travaille à l'eau aussi. Tu peux le travailler posé avec de l'eau. Ça, c'est intéressant pour le travail. T'as une marque préférée en figurine et pourquoi? Alors, franchement, j'ai pas fait beaucoup. Je peux pas dire que j'ai une grosse, on va dire un grand éventail à quelque part de marques, hein. Franchement, les bustes, depuis que j'en fais, je suis vraiment resté aujourd'hui, on va dire par habitude, hein, de commander, puis sans trop prise de risque. Franchement, du Nuts Planet. Du Young Miniature, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, et puis sur les figurines 1/16e, celle de chez Andrea Miniature, donc les collections, je crois que la dernière c'était Purple, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, la première chose, bon, après vous allez me dire le prix. Okay, on met de côté le prix, on met de côté le prix dans un premier temps, je sais que c'est très. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très éliminatoire. Ok, on met le prix et puis des prix, on en a un petit peu tout. Ben, en fait, quand j'ai trouvé les pièces, bon, déjà, c'est des pièces qui me plaisent. Donc, après, les choix de ce qu'on veut réaliser, c'est une chose. Mais déjà, les pièces, elles me plaisent chez eux. Voilà, Seconde Guerre mondiale, enfin, les thématiques. Mais surtout, franchement, quand j'ai à chaque fois, je crois que j'en ai fait pas mal, mais à chaque fois que j'ai eu des out the box, je vais switcher sur ma tronche parce qu'actuellement je suis en train de parler. Mais à chaque fois que j'ai ouvert les pièces et que j'ai regardé les finitions des pièces, comment elles s'emboîtaient entre elles, est-ce qu'il y avait à retoucher, franchement, c'est pratiquement zéro faute. Donc n'étant pas franchement encore bon, voilà, dans le positionnement du putty, la réparation des pièces. Donc, et je voulais me concentrer plus sur le travail de peinture et avoir plus de facilité dans le montage. Donc, voilà. Je savais qu'en achetant une pièce de chez ceux que je viens de citer, ben j'avais. C'était une valeur sûre au niveau du montage. Voilà. Franchement, c'est uniquement ça. Pour cette expérience je vais revenir sur la pièce. C'est vrai que de plusieurs fois, donc je dirais aujourd'hui, le choix des pièces, des marques, c'est que j'ai essayé et franchement j'avais une qualité vraiment topissime pour pouvoir me concentrer principalement sur la peinture et pas devoir rattraper ni la gravure ni les pièces avec un effort vraiment, voilà,
travailler sur la valeur sûre, quoi. Au 1,35e, je l'ai fait pas mal, hein, je vous ai montré la dernière fois des DIO. Donc, je vais revenir peut-être sur moi. Mais sur le 1,35e, la même chose. Donc, ouais, bon, j'ai beaucoup travaillé aussi avec du Tamiya. Mais quand je suis parti sur la résine, moi j'ai commandé les pièces parce que les figurines me plaisaient, c'est celles qui correspondaient à ce que j'avais besoin dans le cadre de mon duo. Et je suis parti sur du Alpine, simplement parce que c'était celle qui correspondait à ce que je voulais faire au niveau de la pièce. Enfin, la même chose, franchement, la pièce au niveau de la gravure, chacune des pièces pour les coller, chacune des pièces, il y avait très peu de travail à faire, et puis c'était de facto super bien fait. Donc, au niveau du 1,35e, donc Alpine, et puis j'ai aussi, ça ne me vient pas en tête, j'avais du Fairlinden aussi, voilà, quelques pièces en Fairlinden, et puis j'avais aussi, je dois l'avoir là. Bref, ça me reviendra d'autres pièces, mais effectivement de la résine super bien réalisée, peu d'efforts, on attaquait directement la peinture. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, qui était grande comme ça, puis la réponse de Sandro, elle est longue comme ça. j'ai basculé sur la pièce. Donc oui, après, on est d'accord. Ça, je vous laisse, je ne vais pas rentrer dans le discours du prix. Effectivement, il y a des pièces qui sont plus ou moins chères. À chacun d'avoir ce compromis prix-qualité. Voilà, trouver le bon compromis entre le prix et la qualité. Si on vient sur celle-là, tout d'un coup, j'ai changé de quelque chose qui était Young Miniature, Nuts Planet, et j'en passe, c'est des meilleurs, des standards qui sont, que j'ai réalisés sur les pièces. Pourquoi Sandro, tu travailles un matin et tu dis « Ah, Mitch Military Model ». Sincèrement, quand j'ai vu les bustes, bah voilà, je suis tombé amoureux de certaines pièces comme celle-ci, comme voilà, et je me suis dit tiens, je vais essayer, je les ai vues dans les expos et j'avais vraiment envie d'essayer, déjà par le coup de cœur de la pièce et puis après de bah oui, j'étais curieux cette fois-ci vraiment, hormis la curiosité de la pièce en elle-même, j'étais curieux par rapport au prix, clairement, j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Donc ben voilà, on voit un prix très raisonnable. Franchement, je trouve que c'est très raisonnable. Par contre, donc qualité, elle est bonne au niveau de la gravure. Il n'y a rien à discuter. Par contre, il n'y a pas simplement de travaux à réaliser. Voilà. Donc, franchement, ça me plaît, mais voilà, le bon compromis, quoi. Ok, les 1,35e DD. Ok, ça, j'en ai entendu parler. Mais voilà. Essayez de trouver, partager, échanger sur les pièces. Et ah oui, on parlait tout à l'heure dans l'échange, donc on a parlé beaucoup de bustes, hein, l'univers sur lequel je me suis plutôt focalisé, et il y en a beaucoup d'autres, hein, dans l'historique, hein, on est bien dans le domaine sur lequel je travaille et puis que je vous propose, c'est la figurine historique. Mais dans le 1/16e, franchement, la qualité des pièces d'Andrea Miniature, c'est topissime. Sans compter que chez Andrea Miniature, dans les collections, le dernier que j'ai fait, c'est le Purple Heart, c'est le soldat GI Vietnam avec la mitrailleuse. Il y a de la résine et du métal. Il y a plein de pièces métalliques. Si on voit le poids de la pièce en elle-même, elle est impressionnante, quoi, vraiment. Et en plus, le travail, il est sur multi-matériaux. Il y a du métal, de la résine. Des fois, je crois que j'avais vu du plastique et puis peut-être de la photodécoupe ou quelque chose d'autre comme matière, quoi. Mais c'est super impressionnant et j'adore la qualité de chez Andrea Miniature. Je continue l'impression 3D. Ouais! Alors, en résine ou filaire? Moi, j'avoue que je vais quand même travailler sur la pièce, hein. J'ai basculé. Donc, effectivement, j'ai vu des trucs de ouf qui sont faits sur l'impression 3D. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur l'impression 3D? Hormis le fait que les créateurs, c'est génial ce que j'ai pu voir sur l'impression 3D dans du fantastique. J'ai surtout regardé le fantastique. Après, ma culture est très réduite aujourd'hui dans le 3D. Donc, vraiment, j'ai vu des trucs superbes. Le fantastique, le sci-fi,
tout ce qui est film, hein, j'ai vu des sites incroyables, ce qu'on pouvait imprimer, donc je trouve vraiment très très bien. J'avoue que je me suis lancé, donc j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D filaire à bas prix. Pourquoi ? Déjà par curiosité, mais également pour l'exercice. Là, j'ai pas ici, mais je me suis imprimé quelques bustes. Vous allez vous marrer quand je vais vous dire les bustes en l'occurrence. Donc, quelques bustes de Star Wars, de personnages de Star Wars, du film. Bref, mais en fait, l'idée, c'est de m'exercer, puisque je peux réimprimer plusieurs fois le buste. En l'occurrence, actuellement, j'en ai. J'ai deux femmes de chez. Deux bustes de femmes du film Star Wars, sans les citer. Tout simplement, ben, à but. Éducation, éducatif. Donc, je les ai imprimés, un de ces quatre, comme ça, on va dire en off, comme ça, je vais me poser pour faire un élément qui me semble important parce que je vais y venir un de ces quatre, c'est la carnation de la peau féminine. Alors, le buste, typiquement, c'est ça pour ça que je suis parti moi sur la 3D. Et que j'ai commencé à imprimer aussi un petit peu des trucs 3D, mais j'en suis loin du stade d'imprimer de belles choses que j'ai vues et de travailler sur la 3D et d'imprimer. Par contre, je sais que tu arrives à sortir quand tu travailles sur de la résine avec les Cubix, les imprimantes 3D en résine là, tu t'imprimes des trucs de ouf et bah voilà, tu peux te faire plaisir quoi, vraiment. Et de taille, après tu peux varier la taille, ça franchement tu deviens autonome avec un petit investissement. Je pense que tu as un retour sur investissement qui est assez rapide juste en prenant des pièces, les imprimant chez toi au nombre que tu veux et puis travailler et te foirer la peinture ou le montage, parce que il y a certaines pièces qui sont aussi à monter hein, puisque c'est pas fait forcément tout d'un bloc. Donc, à pouvoir s'entraîner sur la réalisation de la pièce et du montage de la pièce. Et ouais, j'ai vu des trucs qui sont vraiment de bonne qualité. Panza Art, ça me parle pas. Il faudrait que je regarde. Ouais, alors je sais que vous êtes beaucoup sur... Je vais pas citer le nom, hein. Mais je sais que beaucoup, par rapport au prix, on va sur... d'autres sites un peu loin côté Asie, et puis voilà, avec le prix je sais que certaines pièces sortent pas mal de là-bas juste par principe. Moi je le fais pas par principe, je vous présente des pièces, je fais les expos, pas convaincu de la copie ou pas, donc voilà. Mais oui, il y a des trucs qui sortent, j'ai vu des pièces qui sortaient bien aussi de ça, mais c'est du attention comment c'est fait quoi. Quand on m'a présenté certaines pièces, j'ai l'impression que c'est du moulage d'un truc qui redémoule, quoi, puis qui remoule, quoi. Donc faites attention. Après, pensons aux créateurs, ceux qu'on fait la pièce, hein, donc voilà. En tout cas, je peux pas faire ça, donc c'est pour ça que je me permets pas de le faire. C'est pour ça que je suis parti sur l'impression 3D. Pour pouvoir justement avoir des modèles et que je puisse travailler et me former quoi. Voilà, sur là des bustes de femmes. Et puis l'impression, non seulement il y a l'impression pour tester, travailler dessus. Après il y a tout le monde de l'impression 3D qui est super intéressante, hein, d'imprimer, la taille, etc. Mais pour la partie exercice carnation féminine, non seulement j'ai le buste que j'imprime, mais dernière à moi, je crois. Ouais, je crois que je l'ai là. J'ai un bouquin justement sur la carnation féminine. Donc voilà, à tester et à partager si j'arrive à un bon résultat acceptable par rapport à ce que je fais. Voilà, donc là je suis en train de bosser sur l'autre. Même chose, on voit que je suis pas trop mal. Je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer une zone. Voilà, regardez, c'est assez clair. Là,
Donc là, on voit, hein, j'ai vraiment été très très loin ici au départ avec le mastic, quoi. Et à très bientôt, Fabien. Merci d'être passé par là, vraiment. Et oui, je comprends par rapport au prix après de réaliser quelque chose. Mais il n'y a aucun souci, c'est normal. Il faut trouver le bon équilibre. Donc là, on voit bien que ben, le surplus est passé. On revoit la résine de base et qu'en fait, c'était juste cette partie-là en fait qui avait besoin d'être couverte. Je sais pas si c'est assez bon, mais vu que j'ai un super truc à tester pour vous, Sandro, tu peux monter. Voilà. Regarde. Voilà. C'est mieux, non? Donc là, on voit bien, hein. Voilà. À la base, le trou, l'espace, il est là. J'ai bien poncé et on voit réapparaître. Le surplus a été éliminé. Donc il faut que je continue à bosser sur la. Sur l'épaule. Est-ce que j'ai raté des questions? Tac tac tac, Erlinden, non. Donc ouais, il faut que je bosse à fond sur le ponçage. Donc on va y aller franco sur cette partie-là. Juste pour voir où on a jusqu'à où on arrive entre la partie résine de base de la pièce et puis le joint que j'ai dû réaliser. Voilà, ça se dessine pas mal. Là, on le voit, hein. Je vais revenir. Là, on voit. Hop là. Voilà. Donc, gentiment, gentiment, on voit bien où. La pièce, voilà, un peu le slalom qui est là, ben c'est bien l'état de la pièce un peu abîmée et le bord. On continue à travailler, à poncer. Je suis assez content de l'outil de mon support là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, pour vous montrer, puis moi, comme je suis posé là, je suis vraiment. Voilà, je suis au fond de ma chaise, le dos bien droit. J'arrive à grand. Franchement, c'est top quoi. À voir avec plus de pratique, mais là, je sens rien du tout. C'est excellent. Alors, restera à voir lors de la mise en peinture, mais là, vraiment, franchement, je pense que je suis niveau zéro. Excellent. Ouais, là, je pense que je suis vraiment au niveau zéro. Je vais incliner un petit peu ma pièce pour vous la montrer. Alors, je vais reprendre. Penses-tu utiliser un jour l'aéro sur des grosses pièces comme celle-ci par exemple? Clairement! Très bonne question. Clairement. Je crois que tout à l'heure. je crois que tout à l'heure, je parlais de la préparation du projet. Je sais plus où je m'en suis arrêté, mais ça, il faudrait que je vous montre en tout cas un de ces quatre. Typiquement, ce que tu es en train de me demander là pour l'aérographe. Donc. Dans le cadre de préparation du projet, la première chose que j'ai fait, c'est que je vais à gauche à droite rechercher des photos. Donc là, typiquement, bah, on a le costume du sudiste, hein, du confédéré. On a les grades. On aura du métal pour l'épée. Il y a du cuir pour la ceinture. Bref, et puis la lanière sur le côté. Donc on va chercher un petit peu toutes ces infos à l'aide de photos. De photos d'objets. Vrai, des véritables objets, hein. Ceinture en cuir usée, différentes teintes du cuir, bref, ça en fait. Et je prends les photos et je les mets sur mon ordi. Dans le cadre de ce projet-là, je crée un dossier, enfin ça c'est la technique, mais en gros je fais un album avec tout ce que j'ai besoin, tout ce que je pense regarder pour ça. En l'occurrence, je reviens sur l'aérographe, c'est quand même une sacrée pièce. Oui. Je pense que la couleur de base. Et alors attention, ce que je dis aujourd'hui, Sandro, il a besoin de réfléchir. Déjà, donc oui, je pense utiliser l'aérographe pour cette pièce-là. Dans quel cadre je pense utiliser l'aérographe? Parce que ça se prépare en temps de projet. La première chose, je pense que ce sera la base
Une fois que j'aurai trouvé la couleur, qui est un autre exercice de trouver la bonne couleur du gris, donc il faut faire des essais, etc. Sur des... enfin, bref, j'ai une technique pour essayer de faire des essais. Mais une fois que j'aurai trouvé la couleur de base, je pense que toute l'application de la couleur de base, je la ferai à l'aérographe. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est clair en y appliquant l'axe de la lumière zénitale. Après, la veste, là, elle a une texture. Voilà. Coton, laine, bref, à creuser, historiquement, j'ai pas encore regardé. Coton ou laine ? Franchement, j'ai pas la réponse. Hein. Par contre, elle a une texture. Et cette texture-là, quand on voit de près, il y a différents niveaux de gris, puisqu'on a un peu le gris, il est un petit peu chiné. Si je regarde correctement les photos que j'ai pour le moment vues sur la veste. Eh ben, je pense... aujourd'hui, hein, dans ma réflexion, que je vais y aller, il faudrait que je fasse des tests à l'éponge. Donc, une couleur de base à choisir laquelle, et après, globalement sur la figurine, d'y aller à l'éponge pour faire la texture du tissu. Et puis après, sur les ombrages, sur les éclaircies, y aller au pinceau, pour toujours en pixelisant la peinture pour la zone d'éclaircie et la zone plus foncée, donc les ombrages, tout en avec la pointe pour que l'ensemble de la pièce, en tout cas de la veste, on ait bien la représentation de la matière coton, laine, quid aujourd'hui, hein, puisque le sud, on le sait, il y avait du coton, donc j'ai pas la réponse, hein. Vous allez me dire, je suis ignorant sur le sujet, il faut que j'aille creuser dans le cadre de la préparation des projets pour sortir la bonne matière sur la texture sur la veste. Donc toujours une question comme ça, en gros, tu vas utiliser l'aérographe, et Sandro il fait la réponse grande, oui pour la base. Tout ça pour dire oui pour la base. J'ai répondu, puisque tu fais un buste en haut, une figurine entière, ça te dit rien? Ah oui, oui, oui! Oui, oui! Alors, Serge, oui, Serge! T'as dit quoi? 20 cm! Pourquoi pas? J'ai jamais essayé, Serge. Sincèrement, je me suis arrêté au 1/16. Au 1/16. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Une figure... Alors, entière, ben, dans la liste, c'est oui. Il y en a quelques-unes que j'ai réalisées. L'échelle aujourd'hui qui me paraît sympa, équilibrée, où j'aime bien travailler, c'est le 1/16. Coucou, utilise quoi comme gamme de peinture? Moi, en ce moment, je suis pas figurine, mais je compte y revenir. Ah, les gammes de peinture! Alors, comment expliquer? Aujourd'hui, je ne me suis pas marié à une gamme de peinture parce que j'ai de l'historique, en fait. Tout ce que vous voyez là, allez, pour vous aider, pour être transparent avec vous, je vais passer en mode, voilà. Donc, tout ce que vous voyez là, donc, tout ce qui est ici, là-bas, les boîtes, on le voit là, de ce côté, ici, il y a des cartons de café à l'intérieur, enfin de boîtes à café à l'intérieur, c'est plein de pots Tamiya. Ça date vraiment. Quand je suis reparti il y a quelques années à me dire, ah tiens, je vais repeindre, et j'ai fait, voilà, j'ai pris des sets, 7 sur 7, j'avais besoin de faire un truc, j'ai acheté un set adéquat, j'avais besoin d'un visage, j'ai raisonné par 7, et puis c'était très facile pour moi. Et puis en fait, aujourd'hui, j'ai empilé un certain nombre de sets et je travaille les 7. Donc, l'historique et je reviens sur la figurine, sur la pièce. Donc, mon historique fait qu'aujourd'hui, j'ai un stock où j'ai essentiellement, pour être franc avec vous, par le biais des sets que j'ai trouvés, donc du AK, du MIG, donc du AMO, tous les pots de peinture qui sont là-bas, c'est du Tamiya,
Parce que je vous l'avais dit, hein, je fais aussi, ça m'arrive de faire des duos, donc des véhicules, etc. Et j'aime beaucoup pour les véhicules, etc. J'aime beaucoup les bases, toutes les couleurs de base avec le Tamiya. Je sais pas, c'était une habitude, je fais ça depuis très longtemps, donc voilà, donc c'est de l'historique et que j'utilise, hein, je vais pas jeter. Donc aujourd'hui, je me suis concentré franchement AK, MIG, Tamiya. Et après, j'ai commencé différents sets. Je vous ai montré différents sets de peinture. Andrea Color. J'ai aussi tout ce qui est. Tout ce qui est Scale Color. Voilà, pour tout ce qui est. Soit du M&M, etc. etc. Et ces sets-là, c'est plus de la curiosité. Parce que des sets de peinture visage, j'en avais un sur lequel qui était chez AK. Donc c'est de la curiosité des autres sets. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ceux d'Andrea Color, franchement, la couverture, elle est vraiment bien. Mais à chaque fois qu'il y a un set que je kiffe, sincèrement, je l'ai partagé sur les vidéos. Donc il y a un set sur tout ce qui est les couleurs. Or, de chez Scale Color. Je crois qu'il est là. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est or. Je vais basculer. Voilà, il est là. Hein. Scale Color. Je vais peut-être venir sur l'autre. Sur ma. Voilà. Ce set-là, de chez Scale Color. Pourquoi j'ai pris ça, en fait? C'était simplement. Parce que chez Tamiya. J'étais pas convaincu de. Enfin, voilà, c'est de la peinture métallique, donc les pigments dedans et puis les paillettes, c'était pas top pour y travailler, j'arrivais pas à un bon rendu. Les quelques dans les sets que j'avais de chez AK, ou etc., quand j'essayais la partie or, ça me plaisait pas, donc je suis parti sur un set. Et franchement, il marche super bien. D'autres sets. Sur lequel j'ai essayé. Aujourd'hui, je vais pas en parler parce que je crois que c'est pas le problème du set. Le problème, c'est entre la chaise et l'atelier où il faut que je fasse l'apprentissage. J'ai également essayé des jus, donc la peinture à l'huile pour faire certains jus. Donc voilà, aujourd'hui, que ce soit du AK, du MIG, du Andrea Color, du Scale Color, je suis bien satisfait sur les sets et surtout sur la pigmentation de la plupart des couleurs et la manière qu'on puisse les diluer à l'eau. Donc voilà, rien de particulier, pas de mariage particulier sur une marque particulière, simplement beaucoup d'historique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était comme ça, et son bruit fait toujours comme ça. Prédilection, en parlant de détection en grande surface, comme cette veste, on peut appliquer de la colle à bois blanche. Intéressant. Pour donner de la texture, t'appliques la colle, tac 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 dessus. Voilà, ça va faire automatiquement une texture. Puis après, tu peins dessus. Alors la texture, oui, mais ça t'empêchera pas d'y mettre des couleurs. Ça va faire la texture. En fait, c'est avec la peinture directement, tu fais le faux vrai. Donc, c'est un trompe-l'œil en fait. C'est lisse. Comment sur le lisse, bah, tu donnes cette texture de tissu chiné. Après, tu as raison. Je crois que typiquement, si on fait de la zimmérite sur un tank, là, il n'y a pas le choix. Enfin, on peut dessiner la zimmérite. Donc, sur les blindages. Pour ceux qui connaissent, c'est qui connaissent pas, pardon, c'est la zimmérite était posée sur les chars pour éviter les bombes collantes, enfin les bombes magnétiques sur le blindage, donc ça empêchait que ça colle. Donc en fait, c'est un relief sur les chars qui est réalisé. Oui, ben, tu peux le dessiner. Par contre, c'est vrai que c'est moins bien que de voir lui-même la texture sur le véhicule, quoi. C'est clair. Par contre, j'ai jamais fait sur un vêtement. À essayer, hein. Donc texture, effectivement, à essayer. L'histoire de la colle, c'est une très bonne idée. Merci de le partager. Ouais, ça peut être une très bonne idée.
Mis à séchage tamponné mieux pinceau, ça donne une surface plus ou moins rugueuse. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est donc la colle, on tamponne dessus et puis c'est bon. Je dois vous laisser à contre-cœur. Salut Serge, merci d'être passé. De toute façon, c'est waouh, c'est bientôt 8 heures. On a fait 1 heure et demie. On va s'arrêter. Allez, encore 8 minutes. On va jusqu'à un chiffre rond, 8 heures. Ça va pour vous? Est-ce que j'ai raté une éventuelle question? Oui, tu crées la texture et après tu peins. Ok, comme sur la. Ouais, ok. Voilà, ouais, essayez. Hein. Par contre, il faut faire gaffe de avec l'application, de pas perdre tout ce qui est dessous. Hein. Typiquement, s'il y a les lignes de couture ici. Effectivement, si tu veux mettre de la texture sur le principe de la colle, je vais nettoyer. Voilà. Là, en ponçant, elle disparaît. En ponçant, elle disparaît. Il faut mettre et refaire la gravure. Attention de, effectivement, quand on travaille comme ça, de pas perdre la gravure qui est dessous. Après, tu peins, essaye sur un morceau de plastique, tu verras, c'est bluffant. Ouais, volontiers, merci. Ouais, je vais essayer, je vais trouver un morceau de rab, dans mon rabio, là, dans ma boîte à rabio maquette. Mais voilà, typiquement ça, bah, j'y avais pas pensé, franchement, d'y appliquer. Je vais essayer. Puisque dans la préparation de ce projet-là, aujourd'hui, je suis sur la veste et je me pose la question comment la réaliser. C'est quand même assez. Il y a de la surface, donc au pinceau, à l'aérographe. Donc je partirai sur l'aérographe. La problématique de la texture. Bref, je vais essayer ce que tu proposes. Ouais, c'est bluffant, je te crois volontiers. Pourquoi pas? Donc vous avez vu là, en ponçant, en ponçant, en ponçant, j'ai pas mal enlevé et au final on voit bien, hein, le solde. Alors le noir là, c'est simplement la résine hein, qui était de facto sur le noir. Donc là, je suis super propre. Je reviens sur le côté. Là, je suis super propre. Voilà, il va falloir que je travaille mieux sur cette partie-là. Et bien évidemment, encore là-dedans, dans le creux, là. Donc là, je pense qu'il va falloir que je gratte, comme j'ai fait un petit peu dans le cou. Mais sur les parties principales, là, on arrive à bien supprimer le surplus. Et à venir à fleur de la pièce. Voilà. Donc, la suite, avant que je revienne en. Puisqu'il nous reste 5 minutes, donc on va terminer vers 8 heures. C'est passé super vite. Ça passe toujours trop vite. Ça, c'est la preuve que c'est un grand plaisir d'être à échanger avec vous et d'être avec vous. Ah, un autre truc aussi. Toujours en se protégeant, j'y vais au pinceau là. Aérographe, petit coup d'air. Alors, je vais allumer l'aéro, le moteur. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Toujours attention hein, à se protéger, à souffler dans l'autre sens. On se protège. Voilà, des petits réflexes comme ça aussi pour. Moi, j'ai pas pris un sèche-cheveux quand je peins. J'ai pas ici au local encore un sèche-cheveux que j'ai récupéré, mais vous avez déjà vu, je crois, dans mes tutos, bah, pour sécher l'aérographe, hein, c'est très bien aussi. Voilà. Ah, c'est propre. Excellent. Ça m'est arrivé des fois de tremper hein, la figurine. Donc vraiment, hein, pour être sûr qu'elle soit complètement propre, mais également, je sais pas si ça vous est arrivé, mais avant de placer le primeur, vraiment. Il y avait certaines figurines, j'ai l'impression qu'elles étaient huilées, quoi.
les pièces. Super lisses, super grasses. Et je me suis dit, ok, ben, elles sont comme ça, la pièce c'est comme ça. J'y vais, je prends du primer et puis j'y vais gentiment pour pas que ça coule. Et franchement, je voyais que ça faisait des pattes de mouche, comme on dit ça à l'aéro. J'ai dit, non, ça va pas le faire. Donc vite enlever ce que j'avais produit et voilà, ben de bien savonner, nettoyer, dégraisser avec du produit lave-vaisselle. Hein. Bien dégraisser la pièce, juste de la tremper. Et puis avec un pinceau, la pièce ou l'ensemble des pièces, hein, vous les trempez et puis vous les dégraissez en fait. Vous les laissez tremper, passez un pinceau dessus, et puis vous les laissez sécher. Et ça marche super bien. Donc ça m'arrive même d'aller dégraisser, nettoyer, rincer des pièces. Voilà. Là j'ai raté un truc, là je vais vous montrer. Là franchement, le monsieur, il a les cheveux qui partent en plateau comme ça. Va falloir retailler finement à la lime, à la lame, pardon. Quand même je vais faire un zoom. Vous voyez le truc là? Ça part super droit là. Et ça, franchement, je viens de le voir. Hein. Je viens de le voir. Comme quoi, à force de tourner, pourtant j'ai posé le putty, j'ai mis la casquette, j'ai fait toute l'entaille ici, refaire la forme ici, j'ai tout refait. Et ça, je viens de le voir. Pour être franc. Donc voilà, typiquement ça. Pas joli. Et on va lui faire une belle petite mèche, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc, salut! Let's Faust. Je sais pas si je prononce bien le pseudo. Est-ce que j'ai raté des questions? Est-ce que j'ai raté des questions? Des interrogations? J'espère pas. Hein, je vais scroller. Si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes là avant qu'on clôture, qu'on se dise à tout bientôt, mais est-ce que j'ai raté quelque chose? J'aimerais pas avoir raté quelque chose, histoire que quelqu'un ait une attente et puis que j'ai pas pu y répondre. Bon, au pire, il y a les commentaires après sur la publication de la vidéo, mais j'aimerais pas rater un truc important qu'on puisse partager ou un élément important à partager. Rien de particulier? Ok. Ok. Donc, la prochaine fois, j'aimerais beaucoup. Je vais avancer, hein, parce qu'on a vu les bases ici. Il faut vraiment que je finisse. Je pense que si je le refais en vidéo, ça n'a pas spécialement de valeur ajoutée de partager avec vous. Plus que finir complètement la pièce. Et puis, bah, commencer à peindre. Par ou quoi, on verra bien. Peut-être la lumière zénithale. Peut-être j'aurais vérifié en tout cas que tout le travail de ponçage aura terminé. Donc, la prochaine fois qu'on se rencontre. Pour cette vidéo et d'ailleurs donc la prochaine fois qu'on va se rencontrer sur le sujet de cet officier confédéré, en tout cas tout ce qui est ponçage je l'aurai terminé, j'aurai travaillé sur la partie primeur, m'assurer que tout est bien fait et puis en tout cas elle sera à l'aérographe au minima, on partira d'une figurine aspergée au primeur, moi je prends du noir. Elle sera toute noire et puis on fera ensemble l'effet zénithal. Comme ça, je pense qu'en live, on pourra le voir. Ah! Remontrer. Ah bah oui, remontrer le support. Ah bah pour ceux qui ont raté, ceux qui sont venus en cours de route, venez au début de la. Vous pourrez revoir le début de la vidéo. Je vous conseille d'aller voir. Il y a l'astuce du support. Allez, je vais vous le remonter. Il y a l'astuce. J'ai expliqué tout au départ ça, ce super support que j'ai bricolé et qui me permet d'être devant vous. Voilà, tac, et qui me permet de travailler les mains libres et de vous exposer la figurine et de grimper comme ça. Donc au début, on a expliqué un petit peu ça. Donc on va se retrouver très prochainement. Donc avec la pièce entièrement au minimum le primeur dessus. Donc elle sera parfaite. Je ferai un
bref résumé avant de commencer des problématiques que j'ai rencontrées où j'ai dû recommencer, voir les gravures que j'ai dû faire. Et on démarrera ensemble toute la partie de l'effet zénital. Parce que j'ai beaucoup, je crois qu'il y a un ou deux tutos dessus qui le montrent. Bah, on le fera ensemble. Voilà. On vient de passer, franchement, je vais rebasculer. Tac, avant qu'on se dise au revoir. Franchement, on vient de passer, je crois, 1 heure et demie ensemble. Franchement, de ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir et d'échanger plein de choses avec vous. Il y a des choses très intéressantes ici, typiquement les tests sur la texture. Bref, il y a pas mal de choses à tester qui sont à reprendre. On se retrouve très bientôt. Franchement, prenez soin de vous, de vos proches. À très bientôt. Vraiment, ici, on se retrouve dans mon local. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, bon appétit. C'est 8 h. J'espère. Allez manger. À très bientôt. Ciao à tous. Portez-vous bien. Merci d'être passé dans mon atelier. Ciao, ciao.